Ouais, salut. Nouvelle tentative du braquage de Caio Perico. On va arriver cette fois-ci en hélico furtif à la zone d'atterrissage sud. Celle-là, là. Clignote, ouais. Après, on va rentrer par la porte principale de la base. On va repartir par la piste principale, tout à gauche. On va y aller la nuit, en vélum. On va repartir en vélum après la piste, voilà, bref. Avec l'arsenal fine gâchette, mais silencieux, comme d'hab. Sinon on se fait repérer et c'est trop chaud, quoi. Après on pourrait tester aussi, hein, sans silencieux. Mais ça va être la merde. Là en tout cas ça commence plutôt bien. Je trouve ça stylé. Le mec assis là, c'est pas mal. Ouais, ça change. La fois d'avant, on y était allé en sous-marin. Là, on y va en hélico. Ah ouais, stylé, hein. En tout cas, là, on arrive pas loin de la base. Bon, la dernière fois, on était arrivé par le tunnel. On était arrivé en sous-marin, on avait pris le tunnel. Bon, là, ça fait un peu plus de chemin, mais... Bon, je connais mieux le braquage. Donc en fin de compte, ça ira même plus vite, je pense. Voilà, donc là, moi j'accélère un peu. Voilà, il y a une caméra à péter. Il y a un mec. Mais faut faire gaffe parce que... Oh putain. Ouais, il y a une caméra là. Voilà, celle-là. Là. Après, bah, il y a deux mecs à tuer. Bon, en fait, c'est ceux qu'on tue quand on ressort, quoi. Sauf que là, à mon avis, on va devoir peut-être les tuer deux fois, quoi. Parce que peut-être qu'ils vont respawner, je sais pas. Ouais, donc, ouais, finalement, c'était pas si long. Hein. Ah, je regarde là s'il n'y a pas un mec à tuer. Ça pourrait m'avancer un peu. Bah après le mec s'il bouge pas. Ouais, bah allez hop. Hein. Au moins ça me fera un mec en moins à tuer. Du danger en moins quoi. J'essaie de longer là. Parce que en fait si vous rentrez par la porte principale. Bah c'est la merde. Parce qu'en fait vous allez devoir péter la porte. Avec une charge explosive. Et là, vous êtes repéré. Moi, je préfère passer par là. Ouais. Bon, bah là, ça va aller plus vite maintenant. Bah lui je bute hein. Hop. En fait je vais faire Ouais donc en fait je vais aller tout droit. Après je vais aller un peu à droite. En fait je vais tuer quelques mecs autour des mecs qui sont affichés en rouge. Et après c'est bon les autres je laisse. Donc lui il nous voit pas de toute façon. Hein. Bon, dans la logique, il devrait nous voir. Mais bon, on n'est pas dans son champ de vision, donc... Par contre, là, il y a un cuirassé qui va arriver, là. Je vais l'attendre, là. Je vais pas le tuer, là, maintenant, parce que... Là où il est, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui le voit. Alors, je vais attendre qu'il s'approche. Et puis là, personne pourra le voir. Aucune caméra, personne. Par contre, lui, faut peut-être que je fasse plus gaffe parce que lui, je crois qu'il a un casque, il me semble. Hein. Enfin voilà, ça va. Bon bah là, il y a un mec à gauche, hein. Bah, alors lui, je le connais. J'ai déjà tué dans l'autre braquage, donc je sais qu'il bouge pas. Il regarde la mer, donc tranquille.
Ah, je fais quand même gaffe. Bah là, il y a une caméra, mais... Ouais, en fait, ça va. Une fois qu'on a compris le truc, faut y aller petit à petit, quoi. Par contre, c'est chaud. Là-bas, il y a un mec. Je me méfie quand même de l'autre, là-bas, là. Ouais. Ouais. Ouais, il repart. Ouais, c'est bon. C'est bon, là. Ouais, bah, les deux, là, je vais les laisser, hein. Putain, c'est flippant. Anda por aquí. Lo vi hace un rato. Il faut exprès. En fin de compte, on n'est pas obligé de tous les tuer. Vraiment, on peut se contenter de tuer de très peu de mecs. Bon, en fait, eux, je vais les tuer quand même. On sait jamais. Parce que de toute façon, je suis obligé de pas. Voilà, on sait jamais. Après, tu vois, enfin, après, ce que je me dis, c'est que si j'en tue pas assez, il risque de s'apercevoir qu'il y a des cadavres, en fait. Et là, c'est là où c'est dangereux. Donc là, moi, je fais gaffe. J'essaie d'en tuer quand même pas mal pour pas qu'il trouve de cadavres, quoi. Mais après, il n'y a pas besoin de tous les tuer. Mais bon. Bon, eux, c'est sûr, hein. De toute façon, enfin, je pense. Hein. De toute façon, après, là, il y en a quoi? Deux? Et c'est bon. Oups. Il meurt! Putain! Là, il y en a encore un. Alors, lui, il faut faire gaffe parce que des fois, il descend. Et là, voilà, on n'a pas le temps de. Des fois, c'est juste ça. Ouais, là, normalement, c'est bon. Hein. Après, j'ai le pass. Là, je rentre, hein, tranquille. Là, j'espère que je vais avoir le pistolet. Allez. Ah, putain. Ah, j'ai pas eu le flingue. Ouais. Je sais pas. Là, normalement, ça... Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que là, j'ai le diamant, là. Là, ça va payer encore plus. Ça va payer encore plus que l'autre. Oh, c'est vachement long. Ah ouais, en fait, j'en voyais même pas la fin, quoi. Mais ça va. Je suis rassuré, quoi. Je pensais que ça allait jamais terminer. Bon, en fait, ça va plutôt vite. Hein. C'est le braquage qui rapporte le plus. Hein. Jusqu'à présent, c'était celui du casino, mais là, celui-là, il est encore plus rentable, quoi. Par contre, j'avoue que ça vaut un peu cher. Pour pouvoir le faire, bon, faut la suite du casino, faut le sous-marin. Il faut quoi d'autre? Il faut quelque chose d'autre, je sais plus. Ça me revient plus. Mais enfin bon, il y en a pour 15-20 millions. Le yacht, voilà. Donc il faut quand même... rassembler quelques millions pour pouvoir faire ce braquage. Wow. Et là normalement, c'est... Enfin,
Là, je crois que c'est avec les grappins là qu'on peut escalader le mur, il me semble. Mais bon, j'ai pas de grappin, moi. Non, j'y vais comme ça, c'est bon. Hein. Ouais, puis servir au même, hein, de toute façon. Le mur est juste à côté, servir au même. Hein. De toute façon, le mec là, j'aurais dû le tuer quand même. Bon, bah là, je sprint, hein. Ouais. Là, ça va aller super vite. Ah ouais, en fait, je tue les mêmes mecs que tout à l'heure. Les mecs, ils ont respawné. C'est pas très logique tout ça, mais bon. Alors moi, j'ai un chemin que j'aime bien. Franchement, je passe à droite, direct, entre les deux routes. Bon là, j'ai un sniper, donc je vais en profiter. Je vais tuer le mec qui est en haut. Si je le vois. Ah oui. Ok. Que je me rate pas, hein, parce que là... Ok. Et en fait, il va falloir aller à droite, parce que là, il y a une caméra qui va bouger. Bon, après, je sais pas. Peut-être qu'avec la hauteur, mais non, je sais pas. Moi, je me dis que... Ouais. Non, ça va pas le faire. Hein. Non, du coup, je contourne. Ouais, parce que ce mec, il pose aussi problème. Enfin, je veux dire, après, on peut le contourner. Hein. On peut contourner son champ de vision, mais ça va être plus long. Et bon, après, il suffit de le tuer. Bon. Là, je regardais s'il y avait la caméra, mais... Je sais pas, je la vois pas. Donc tant pis. Voilà, donc là... On contourne la caméra. Le champ de vision, quoi. De la caméra. Après, j'aurais peut-être dû prendre une moto. Parce que là, c'est un peu long. Mais ouais, mais bon. Après, j'ai peur de me faire repérer avec le bruit et tout. Enfin, bon. Après, je verrai ça. Après quoi. Donc là, ouais, il y a. Ouais, il y a comme un cercle sur la carte. En fait, c'est l'antenne, quoi. Il faut se diriger vers l'antenne. Enfin, c'est comme ça que je fais pour ce braquage. En tout cas, je fais comme ça. Et... En fait, je passe à un endroit où il y a personne, quoi. Putain, je vais me faire repérer là. Comment ça, il mourrait pas le mec là? Moi, c'est abusé. Mais des fois, les mecs, ils meurent pas. Des fois, on se demande ce qui se passe quoi. T'as le mec, il mourrait pas. Ouais. Ah ouais. Alors lui, je vais peut-être prendre son véhicule pour descendre. Ouais, ah ouais, mais non. Non, je n'en ai pas besoin. Je vais essayer de choper une tenue, là. Ouais, voilà. Après, je sais pas à quoi ça sert, vraiment. Ah, c'est pour les caméras. Il me semble que c'est pour les caméras. Donc là, en fait, même si les caméras me voient, je ne me ferai pas repérer. Par contre, les gardes, ouais. Ouais, du coup, après, je vais au point, quoi. En fait, c'est un chemin que j'aime bien prendre. Parce qu'après, il y a trop de mecs à tuer et tout, enfin... Voilà, moi, je me contente de tuer les mecs qui sont dans les miradors. Au snipe, et puis voilà. Après là, faut quand même faire gaffe parce que là, je crois qu'il y a des voitures qui passent hein, des fois.
Là, s'il y a un mec qui arrive, je dois me planquer. Oh putain. Ouais, là, il y a des mecs. Là, il y a des mecs, hein. C'est chaud. Ouais, faut anticiper, là. Putain, je peux pas passer par là? Ah, si. Ouais, c'est vrai, j'ai... Après, j'étais caché, hein. Peut-être que le mec, il m'aurait pas vu de toute façon. Bah, là, je suis presque arrivé à la côte. Là, c'est bon, là. Là, normalement, après, je longe la côte et c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, je suis au bord de l'île. Ah bah là, c'est bon. Et là, maintenant, là, si personne ne me voit là, après là, c'est bon, c'est tranquille. Parce qu'après, il n'y a personne. Après, le long de la côte, il y a juste un mirador. Mais les mecs, ils te voient pas parce que tu passes... moi, je passe sous la falaise, en fait. Je glisse, et voilà. Ils me voient plus. Et voilà, après, je continue, je sprint. Et après, je sais pas, après, j'ai pas testé, mais normalement, après, je prends l'avion, puis je me casse. Voilà, c'est eux, là. Après, là, c'est simple, hein. Ouais. Là, j'ai un sniper. Donc, je vais en profiter. Je vais tuer le mec. Parce qu'après, j'ai l'arsenal fine gâchette. Donc, j'ai un sniper. Autant en profiter. Hein. Je vais tuer le mec. Hein. Même si je peux... Voilà, je peux le contourner, quoi. Je peux contourner son champ de vision en glissant de la falaise. Mais bon. Autant le tuer. Hein. C'est des risques en moi. Il est où? Il veut pas se montrer. Allez, montre-toi. Bon, allez. Vas-y, c'est bon, je vais faire comme d'hab. Je cours. Et là, je descends la falaise avant qu'il tourne la tête. Là, c'est bon. Tranquille, hein. Le mec, de toute façon, même s'il tourne la tête, il me voit pas. Moi, je suis en dessous, c'est bon. Ah, putain de plante. Mais c'est quoi ces plantes? Je me coince dedans. Normalement, une plante, t'arrives dedans, c'est crac, et ça casse, et puis voilà. Le mec, il a pas le temps, quoi. Ah, moi, c'est bon, hein. Moi, dans un braquage comme ça, enfin, moi je dois fuir, il y a des plantes, moi je fonce dedans et c'est bon. C'est des plantes, hein. Ouais, donc là, arrivé aux deux routes là, qui se croisent un peu là, enfin, là je traverse, je passe à gauche. Parce qu'après, il y a une grande zone, mais énorme. Où il n'y a personne, il n'y a aucune route. Et là, après, je suis tranquille. Jusqu'au chemin. Qui est perpendiculaire à la piste. Ouais, c'est ça. À la piste d'atterrissage. Bon, là, après, il y a 2-3 mecs à tuer, puis c'est bon. Donc là, je vais essayer de récupérer un peu de coke. Non, je peux pas. Il me faut une pince. Ouais, non, je peux pas. Je vais prendre du cannabis, alors. Remplir mon sac de cannabis avec un peu d'argent. Puis voilà. Bon, on va repartir avec une belle somme. Alors là... Alors là, il y a juste une caméra. Elle est où? Là. Ah, c'est pas ça. Elle est où? Putain, je vais me faire repérer connement.
S'il faut, je sais. Ah, voilà. Ah, oh, putain, je suis. Ok. Ouais, il était derrière. Ok. Donc pour le premier, on est parti sans aucun objectif secondaire. Là on va en prendre. Donc normalement, ouais, je sais pas combien ça va faire. Mais en tout cas, on va se faire un peu d'argent quoi. Alors lui, il faut pas qu'il tourne. Et voilà. Bon alors, là, c'est ici normalement. Là, il y a du cannabis, ici. Il est où? Bah, il est où le mec? Ah, c'est ici. Ah, il est accroupi le mec. Qu'est-ce qu'il fout? Ok. Bizarre. Ah ouais, le mec, en fait, il devait bosser. Il était fatigué, il s'est mis accroupi. Putain, tu parles d'un garde? Le mec, il est payé, il... Ok. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ah là, ça change. Ça change de la première tentative. On est parti comme ça, sans rien, enfin. Juste avec les dossiers, quoi. Les dossiers Madrazo. Là, on se remplit le sac, là. Ah, c'est pas mal. Et en plus, ce qu'on récupère là. Là, j'ai contourné le champ de vision du mec pour voir l'autre chip, parce que là-bas, je vois qu'il y a deux mecs. Là, en plus, ce qu'on récupère là, c'est juste à côté du. Comment dire? De là, on va partir, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est pas une perte de temps. Parce que de toute façon, c'est là qu'on doit partir, en fait. Après, on chope l'avion et puis après, on se tire. Ouais, donc j'ai vérifié un peu ce qu'il y avait et tout, mais non. En fait, pour la coque, il faut une pince. J'avais bien raison. Il faut une pince. Parce que c'est qu'un seul grillage et voilà. Voilà, du coup, je suis obligé de faire ça. Parce que sinon, je peux pas prendre l'avion. Et ouais, il y a les défenses... mince, les défenses... Ah mince. Ah, ça me revient plus. Anti-aérienne. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis obligé de tout désactiver, quoi. Donc là, après, on va aller à... Ah, je confonds. Enfin, bref, il y a deux tours, quoi. Il y a celle-là et puis l'autre. Enfin... Le truc central et je sais plus. Bon, enfin, bref. On connaît, quoi. Là, normalement, je vais... Oh, putain. Ok, d'accord. Voilà, il n'y en avait qu'un seul. Après, là, il y a un petit piratage à faire. Et normalement, c'est bon. Normalement, après, je chope l'avion. Et c'est bon. Et je me tire. Moins de brûlement. Point, point. Ils sont marrants avec leur truc. Ok. Ah ouais, donc là, c'est multiplié par... Ah! Putain, je sais plus parler. Donc là, c'est multiplié par 10. Là. Attends, je vois pas bien là. Là par 2. Et par 10. Ok. Alors, moi, franchement, je prendrais bien le 10. Parce qu'après, le 3, je vais le faire multiplié par 10. Non. Non. Je vais annuler le. Allez hop, on se tire. Calcul mental, c'est fini. Maintenant, c'est l'heure du fric. Pilotage maintenant. Ouais, avant quelques kills, hein, voilà, deux petits kills, juste avant de partir. Oh putain, on y est. Là, on y est. On a terminé. Ouh. Oh putain, il y a des mecs qui arrivent. Mais vite, démarre. Mais il fait exprès. Oh putain, je me suis pas fait repérer là. Là, il faut que je parte. Putain, en plus il y a El Rubio là en hélico. Oh, hey, salut. À la prochaine. Salut. Oh putain.
J'ai réussi. Ça, ouais, ça y est, c'est bon. Putain, c'est le premier. Le premier que je fais en... Bah, ça, c'est magique. Premier que je réussis là, en full furtif. Wow, ça, c'est beau. Wow. Et là, si je continue à m'entraîner là... Mais laisse tomber, hein. Là, il y a de quoi faire... Wow, quelque chose de fou, hein. Eh, putain, ils étaient vraiment pas loin. Un peu plus et... Ben, ils me voyaient, quoi. Et là, au dernier moment. Non, ça, c'est fait exprès. C'était pour faire peur, à la fin, voilà, ils ont ajouté quelques PNJ qui arrivaient, tac. Genre, on va te choper! T'as fait ça pour rien! Et non. J'ai réussi à être full furtif, putain. Pas mal. Mais après, je trouve que je me débrouille quand même pas mal. Hein. Après, il suffit de s'entraîner, hein. Si on s'entraîne, ce braquage, waouh, il y a moyen de faire quelque chose de fou. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Pas forcément Caillou Perico, hein. Des vidéos diverses et variées, voilà. À bientôt, salut.